Alors, je m'appelle Pierre Morat. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer sur les débouchés dans le domaine du sport. Ils changent beaucoup de ces débouchés. Ils évoluent beaucoup. Toutes les personnes qui rentrent dans ces formations, je rêve de travailler pour une fédération internationale comme la FIFA, l'UEFA ou dans un club de foot professionnel. Mais là, les places sont très très restreintes, même dans les grandes fédérations internationales. Par contre, il faut faire marcher son imagination une fois qu'on est sur le marché du travail ou même pourtant qu'on est dans les études pour déjà créer des contacts dans des domaines qui sont en plein essor. Je pense au running que je connais bien, c'est un domaine en plein essor, en pleine activité. Il y a plein de débouchés. Dans le coaching, bien sûr, où là, il faut certaines attitudes de terrain, mais aussi dans l'événementiel. Il y a tellement de choses qui se font dans les entreprises, en privé, mais aussi ces grandes courses qui se créent, qui génèrent beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ces événements. Donc, on a besoin de gens qui font du marketing, qui font de la technique, qui font de la logistique, qui font de l'informatique, qui font de l'administratif. Et c'est des jobs. Et rentrer dans ces organisations, des fois comme bénévole, ça nous permet de les saisir comme des tremplins professionnels pour la suite. Et ça, c'est hyper important. Et dans le domaine du sport, il y a plein de ces opportunités. Il ne faut pas voir tout de suite ce qu'on gagne de manière immédiate, mais il faut voir potentiellement le monde dans lequel on peut rentrer pour y faire son nid professionnellement à terme.